Très bien. Est-ce qu'on m'entend? Alors, j'aimerais que l'on m'aide à... Ok. J'aimerais que l'on m'aide. Je crois que la musique, ça va maintenant. Est-ce qu'on peut m'aider à inviter avant que l'on ne commence la prière? J'aimerais que l'on invite, que l'on dise à plusieurs, nous avons commencé. Avant de commencer la
Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Je te dis merci pour ce mois d'octobre qui s'ouvre un dimanche. Merci pour ta grâce que je peux sentir et palper. Merci pour ce culte. Assurément, plusieurs l'ont attendu avec hâte. Mais à nous, ici, tu nous fais la grâce d'en profiter. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit. Je t'ovationne ce soir. S'il te plaît, laisse que nous puissions pleinement être enivrés par ta présence, par toucher ta parole selon ton bon vouloir. Viens nous bénir ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, dans notre culte de bénédiction, selon l'intitulé d'ailleurs, j'aimerais d'abord nous exhorter, ce ne sera pas une prédication, mais ce sera une exhortation durant quelques minutes. Et suite à cela, nous allons prier. Nous allons prier. Et je pense, au-delà de penser, je crois qu'assurément après cette déclaration, Dieu nous fera du bien. Je suis dans Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Éphésiens. J'aurais aimé qu'on lise tous les épîtres, donc pour moi, Éphésiens n'est composé que de 6 chapitres, dont je me suis amusé à lire en moins d'une heure d'ailleurs, il y a quelques instants. Et compte tenu du temps, je lirai des fragments. Éphésiens, pour ceux qui sont avec moi, chapitre 1. Commencerons par le
Éphésiens chapitre 1. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Éphésiens chapitre 1. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, Daddy. Que tout le monde a sa Bible et est avec moi. Une autre version. Zoé, tu peux commencer à lire les cinq premiers versets à partir du verset 3. Tu prends les cinq premiers versets dans la version courante, puis selon la version que tu as. Vous m'entendez? Bien. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Amen. Verset 3. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Verset 4. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Verset 5. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bouche. Amen. Alors, je vais lire dans ma version. De la part de Paul, dans la volonté de Dieu, est apôtre de Jésus. Si c'est la même version, je dirais que c'est la même version que la tienne. À ceux qui appartiennent au peuple de Dieu à Éphèse et qui sont fidèles dans la communion avec Jésus-Christ. Est-ce que c'est la même que la tienne, Zoé? Non, Daddy. OK. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Verset 7, je vais continuer. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis délivré et mes péchés sont pardonnés de là où tu es? Je suis délivré et mes péchés sont pardonnés. Je suis délivré et mes péchés sont pardonnés. C'est la Bible qui le dit. Par le sacrifice du Christ. Donc, aussi vrai que Christ est mort,
quelle que soit la hauteur, la largeur, la profondeur de ton péché ou des liens qui te réclamaient, il est dit, nous sommes délivrés du mal. Le mal ici, c'est quoi? C'est toute force physique ou spirituelle qui te retient avec pour but de te garder dans la captivité et t'empêcher d'avancer. Nous sommes délivrés du mal. Le mal ici, c'est quoi? C'est tout esprit qui, inconsciemment, te poussait à te comporter, à parler, à agir d'une manière indépendamment de ta volonté. Nous sommes délivrés du mal et de nos péchés. Le péché ici, c'est quoi? C'est toute pensée nourrie, commise au travers des actions. C'est ça le péché. Donc, par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous accorde avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. C'est très profond. C'est très profond. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme je le disais tantôt, je me suis amusé avant notre culte à lire dans tout l'épître aux Éphésiens, dans une version un peu différente. Et c'est un jeu qui me plaît. J'appelle ça un jeu parce que ça fait partie des astuces à trait à la méditation qui permet de garder son esprit éveillé. Je peux remplacer l'expression « jeu » à « exercice ». C'est un exercice qui est très enrichissant, non seulement pour votre intellect, mais aussi pour votre corps, pour votre esprit. Je me permets de vous proposer de le faire. Au-delà de la version 8 secondes dont je crois que nous avons tous, via des smartphones, des Android, des iPhones, vous pourriez avoir plusieurs versions aussi profondes de la Bible et amusez-vous à lire des épîtres ou des livres dans des versions différentes. Cet exercice va ouvrir votre esprit dans une profondeur de la connaissance de Christ au travers des Écritures. Ce soir, dans notre culte de bénédiction, j'aimerais déjà que tu prennes ton huile, parce que ce soir, nous allons prier. Donc, si vous avez, comme moi, vos bouteilles d'huile, traînez-les. Nous allons prier ce soir via un service d'huile. Éphésiens dit ceci. Nous sommes en lui. En lui, nous avons le rachat par son sang, la rémission des erreurs selon la richesse
de son chérissement. C'est dans la version Chourag. Il nous a prédestinés à une filiation par Yehoshua, le Messie, pour lui-même, selon le bon plaisir de son vouloir. Dans la version, je crois, français courant, verset 7, on dit « Car par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. » Mon esprit ce soir est beaucoup plus disposé à prier, à déclarer des paroles dans chacun des domaines de vos vies. Mais préalablement, vous devez comprendre une chose. La chose qui, permettez-moi, la chose qui délivre, ce n'est pas la prière, mais c'est la parole. Selon que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une personne illuminée, en d'autres termes, une personne qui a rencontré la vérité et qui a été affranchie par la vérité, quand cette personne se met à prier, elle impacte la personne pour qui elle prie de la vérité à laquelle elle est consciente. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que l'Église m'entend? Amen. Comment faire pour changer la vie d'une personne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand des hommes de Dieu prient, la vie de quelqu'un change? Je vous explique et je vous donne le secret aujourd'hui. Les hommes de Dieu, je ne dirais pas des hommes de Dieu seulement, les êtres spirituels en Christ opèrent, d'ailleurs tout être spirituel en Christ ou sans Christ, opère sur des lois. Comprenez avec moi aujourd'hui que tout ce dont on appelle loi ne sont tout simplement que des vérités. Des vérités. Et toute vérité ou toute loi peut être appliquée dans son sens ou hors sens. Ça veut dire, on peut prendre une loi. Et pour ceux qui sont dans le domaine de la juridiction, ceux qui ont fait des études en droit, je crois, ne pourront pas me contredire. D'ailleurs, l'expérience ou l'histoire a montré que les plus grands malfrats, permettez-moi l'expression, ne sont pas ceux qui courent dans les rues avec des armes en braquant des gens, mais ce sont ceux-là qui ont la capacité de s'amuser avec les lois tout en faisant des choses. Or, permettez-moi de le dire, c'est-à-dire des choses nuisibles, mais dont la loi même ou les forces de l'ordre d'un pays ont du mal à se saisir d'eux. Parce que ces individus savent nager, marcher, manipuler les lois. Ainsi, vous devez comprendre, une loi peut être appliquée hors de son sens. Hors de son contexte préalable. Le meilleur exemple dont je peux me permettre de vous donner, c'est Lucifer. Lucifer a été engendré avec des dons. Lucifer connaît les lois spirituelles, mais il ne les applique pas selon l'ordre à laquelle ou le contexte auquel ces lois doivent ou sont appelés à être appliqués. Ils tordent leur sens. C'est le meilleur exemple dont je peux me permettre de vous donner. Alors ainsi, comprenez que les lois sont des vérités. Et toute vérité est liée à un domaine ou à un monde ou à un univers ou à un contexte précis. Mais il y a ce qu'on appelle des vérités universelles. Étant donné que nous parlons dans un contexte bien précis, à savoir le spirituel, comprenez avec moi que dans le contexte spirituel, il y a plusieurs vérités qui sont universelles.
quand vous arrivez à découvrir celle-ci et que vous l'appliquez, commencez à expérimenter une expansion de vous. L'une des lois universelles que l'on trouve en Christ ou hors Christ, l'une des lois, c'est la loi du sacrifice. Plus tu sacrifies, plus tu montes en autorité. C'est une loi. La deuxième loi dans le contexte du sacrifice, c'est la loi des offrandes. On ne s'approche jamais d'une divinité sans offrande. Il faut toujours avoir une offrande. C'est une loi. C'est ainsi que Saül, cherchant ses ânesses, il dit « Je ne peux pas aller voir le prophète si je n'ai pas d'offrande. » Parce qu'il connaît les lois et les principes. Chose que les chrétiens négligent, mais que les païens en allant chez les marabouts prennent au sérieux. Enfin, au sérieux. J'ouvre cette parenthèse dans les 10 minutes qui me restent d'exhortation. J'ai entendu l'histoire d'une dame qui était une prostituée, était parce qu'elle a eu, elle est décédée, elle était une prostituée. C'est un homme de Dieu qui raconte cette histoire. Et pendant qu'il la raconte, il dit, un jour, il passait dans un coin et c'était un coin des prostituées. Et une prostituée l'a approché. Voilà. Et celle-ci l'a approché. On va changer le terme prostituée par péripatéticienne. Ça permettra à certains d'apprendre un mot soutenu. Donc, une péripatéticienne l'a approché. Et quand celle-ci l'a approché, étant un homme, devient un homme spirituel, il ne l'a pas repoussé. Il est allé, il est rentré avec elle dans sa chambre. Ils ont eu à papoter et tout. Ils n'ont rien fait. C'est un homme hautement spirituel. Ils ont discuté. Et jusqu'à ce que cette prostituée est devenue sa fille spirituelle. Elle venait à l'église. Elle venait à l'église à chaque fois. Et à force de discuter, elle lui a dit ceci. Elle lui a fait une confidence. C'était une belle femme. Elle lui a dit, moi, je ne peux pas me marier. Je ne peux pas avoir d'enfant. C'est interdit. Cela m'est interdit. Je ne peux pas me marier, et je ne peux pas avoir d'enfant. C'est interdit pour moi. Si j'ai un enfant et que l'enfant arrive à terme et que j'accouche, dès que l'enfant naît, j'ai pour obligation de l'étrangler. Il doit mourir par étouffement. Le prophète était un peu sidéré parce que c'était un prophète et celui-ci de demander ample détail et elle lui a donné des détails. Elle lui a dit ceci. Avant que je ne commence le travail que je fais aujourd'hui, celui de la prostitution, je suis allé dans un certain pays et là, j'ai eu à passer par une école de couvent. Pour ceux qui connaissent le couvent, c'est une école de couvent. Dans cette école, on ne se lavait pas pendant, je crois, toute la cérémonie, donc ça durait des jours. On avait des robes, sous des robes, on n'avait rien en bas, on avait juste des robes. Et quand il fallait dormir, on dormait dans la forêt, au bord d'une rivière. Et l'une des choses qui marquait, que Dieu m'aide à rester dans mon message, et l'une des choses qui marquait la fin de cette en griffe, je ne sais pas si je peux appeler retraite, de cette soi-disant retraite-là, c'était celle-ci. Quand il fallait dormir, il y avait plusieurs femmes ou plusieurs filles. On dormait et on mettait nos jambes en direction de la rivière. On écartait nos jambes en direction de la rivière, de telle en sorte que notre appareil soit vraiment vers la rivière. Et pendant qu'on dormait, si dans notre sommeil, un esprit sortait des eaux, venait avoir des rapports avec nous, c'est après ça qu'on pouvait sortir du couvent. Donc la retraite était terminée. Ce qui marquait la fin de la retraite, c'était le rapport sexuel avec un esprit.
une divinité. Elle a dit, je suis passé par là. Ceux qui étaient très sensibles, ils pouvaient voir la divinité, comment font les choses. D'autres dans les rêves, d'autres pouvaient simplement ressentir. Et sont sortis de là. Tant que la divinité n'est pas venue vers toi, tu ne pars pas. Et quand on termine ça, c'est à ce moment qu'on commence le travail. Et quand on commence le travail, quel que soit ce qu'on demande à un client, il va nous acheter, il va nous donner. Et c'était une péripatéticienne qui vivait comme une reine. Elle avait un beau studio avec tout à l'intérieur, très très bien équipé. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit. Et je me suis dit, my God, regardons combien de fois les gens de l'extérieur qui n'ont pas le salut en griffe ne peuvent pas engager quelque chose sans avoir une visitation spirituelle. Et ils prennent ça au sérieux. Mais nous, en Christ, on néglige ces choses-là. Elle a opéré sur une vérité spirituelle. La prospérité terrestre dépend des visitations spirituelles que tu as. Mais seulement, elle n'a pas eu d'abord à faire le bon travail et à rencontrer la bonne visitation, avoir la bonne visitation. Dis à quelqu'un vérité spirituelle. Et une vérité spirituelle peut être là. Aussi longtemps que tu n'entres pas en contact avec elle, tu ne pourras jamais jouir de ce qu'elle offre. La vérité, elle est là. Bon, je vous donne un exemple de vérité. Je vais relire le texte. Nous avons le livre le plus exquis, le plus magnifique. Le plus magnifique de la terre. Verset 7, Éphésiens 1, verset 7. Première vérité, par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. L'apôtre Paul met à la fin de cette phrase, point final. Pour ceux qui ont fait les longues études, ils savent que le point final a une signification. Il n'a pas mis point d'interrogation, il n'a pas mis point d'exclamation, il a mis point final qui marque la fin d'une expression, ou du moins d'une idéologie. Est-ce que les esprits m'entendent ici? Donc, dans cette vérité, on te dit premièrement, Christ s'est sacrifié. On te dit pourquoi le Christ s'est sacrifié. Il s'est sacrifié et la conséquence de son sacrifice, autant pour moi, t'accorde la délivrance du mal et des péchés. Le mal, c'est quoi? C'est ce dont je venais de citer tout à l'heure. Mais aussi longtemps que tu n'as pas conscience de cela, tu vas vivre tel un chrétien, mais tu seras toujours sous l'influence du mal et du péché. Premièrement, il faut entrer en contact avec les lois ou les vérités. C'est ça, les vérités. Deuxièmement, il faudrait prendre conscience de cela. Est-ce que les esprits me comprennent? Je veux prendre un exemple simple.
Ici, le plus souvent, et je vais clôturer ici, ce qu'il faudrait comprendre. Je vous donne un exemple. Premièrement, je commence par une question. Dites-moi, à quel moment dans les Écritures, le Saint-Esprit a commencé à vivre dans le corps des hommes? À quel moment? À quel moment? Répondez-moi. L'électrice, l'électeur de la parole. À quel moment le Saint-Esprit a commencé à vivre pleinement dans le corps des hommes? Ça, c'est le jardin même. Quelqu'un dit au commencement. Après. Écrivez. À quel moment? Lilia, tu réponds ou tu me poses la question? Qui est censé répondre? C'est moi ou c'est toi? Après la montée de Jésus, c'est une question ou bien une réponse simple? À quel moment? Le Saint-Esprit, Dieu dans l'homme. Quelqu'un dit après le départ de Jésus-Christ. D'accord. Zoé dit la création. C'est sciemment, je vais poser cette question. Et j'ai précisé. Le souffle de vie est différent du Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre les choses. Voici ma question. À quel moment dans les Écritures le Saint-Esprit est venu vivre dans les hommes? Ça a été une question plus ou moins simple. Le Saint-Esprit a commencé à vivre dans les hommes après que Christ soit mort, mais ce n'est pas tout. Quand Christ est ressuscité, et ce n'est pas tout. C'est depuis la Pentecôte dans la chambre haute. C'est à ce moment qu'il est venu vivre pleinement. Comprenez-moi. Je vous amène quelque part, vous allez comprendre ce que je vais vous dire ici. Attrapez vos têtes. J'espère que ça ne va pas choquer certaines personnes. Dans l'ancienne alliance, nous étions faits à l'image et à la ressemblance de Christ. Mais le péché nous a séparés et nous a introduits dans la mort. Et là, on était dans Genèse chapitre 3. Depuis lors, l'homme avait perdu le divin. Mais quand l'homme perd le divin, l'homme a toujours en lui la notion de l'éternité, parce que c'est écrit dans la Bible. Nous avons la conscience et la notion de l'éternité, mais nous eûmes perdu le divin. Ça veut dire l'authenticité même de toute essence spirituelle. C'est ainsi que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. À cet instant-là, c'est à partir de là que la notion de possession a commencé. L'homme n'avait plus un esprit divin en lui. Donc, il était déjà comme un vase vide qui avait la capacité d'être possédé par des esprits. C'est depuis lors, jusqu'à ce que Jésus revienne, vous allez remarquer, on a commencé à parler de la délivrance est venue, la notion de délivrance, chasser les démons est venue avec les esprits. Mais sinon, est venue avec Jésus. Sinon, avant que Jésus ne vienne, on ne chassait pas les démons au nom de Jésus. On faisait ce qu'on appelle l'exorcisme. Oui, l'exorcisme existe. Les Juifs faisaient ça. L'exorcisme. C'est comme ça qu'on chassait les démons. Les corps. Et ceux qui sont restés avec, c'est le catholicisme. Ils sont vraiment dans cette pratique. Quelqu'un vient d'apprendre quelque chose ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles, remarquez, quand Jésus chasse les démons, le peuple ébloui.
il ordonne même aux démons et les démons lui obéissent. Pourquoi? Parce que c'était une nouvelle pratique qui ne se faisait pas. C'est Jésus qui a mené ça. Est-ce que vous comprenez ici? Vous comprenez ça? Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vous pose maintenant la deuxième question. Tout du moins, attendez. Quand Jésus est venu, il a chassé les démons. La Bible dit qu'il l'ordonnait. Il chassait les démons là. C'était dans les païens, chez les pharisiens, même chez les juifs eux-mêmes. C'était à Bethléem, Galilée, en Judée. C'était des juifs. Il chassait les démons. Pourquoi? Parce que dans ces hommes, personne n'avait le Saint-Esprit en lui. Personne. Le peuple de Dieu juif avait été choisi de Dieu, mais marchait sur la base des lois. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. En d'autres termes, ils avaient des démons. Et même quand vous lisez la Bible, Jésus disait, cette maladie est pour la gloire d'eux. Ils chassaient des mauvais esprits. Ils avaient des démons en eux qui créaient des infirmités, des malformations qui créaient des dysfonctionnements. Il y a d'autres, c'était des démons, il y a d'autres, c'était des accidents, il y a d'autres, vraiment, il y avait beaucoup de cas. Il y avait des cas. Remarquez, quand vous étudiez les textes, quand vous lisez les évangiles, faites attention quand Jésus chasse des démons ou fait des miracles. Il y a des miracles dans lesquels Jésus chasse les démons. C'est-à-dire parce que l'infirmité était due à un démon. Par exemple, celui qui tombe dans l'eau et le feu. Quand Jésus est venu, ce n'était pas une maladie, c'était un démon. Il l'a chassé. Or, la femme à la perte des sangs, ce n'était pas un démon, c'était une maladie. On dit qu'il y avait une femme à la perte des sangs qui était malade depuis 12 ans. Elle a touché et Dieu l'a guéri. C'était une maladie. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez les textes, faites très attention à cette partie-là, surtout dans le livre de Luc. Luc va vous expliquer, va vous montrer, va vous mettre en phase l'action de Dieu par rapport à un esprit ou l'action de Dieu par rapport à un phénomène en griffe naturelle. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vous pose maintenant une question. Avant que Jésus ne meure, il a posé la question à Pierre. Il a posé la question aux apôtres. Que dis-tu que je suis? Que dit-on que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On est d'accord, c'est la Bible. On est au verset, en Matthieu chapitre 16. On laisse Matthieu chapitre 16. Quelques versets plus tard, Jésus dit aux apôtres, je dois mourir. Le même Pierre qui a dit, tu es le Fils, c'est le même Pierre qui dit, Père, tu n'es pas obligé de mourir. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on me suit? Je veux savoir si on me suit, si vous vous retrouvez. Amen, amen. Ok. Maintenant, ça voudrait dire que Pierre, bien avant, était sous l'influence d'un esprit divin. Quelques temps après, le même Pierre qui était sous l'influence d'un esprit divin a été sous l'influence d'un mauvais esprit. Parce que quand Dieu parlait, dans les deux cas, il parlait des esprits. Dans le premier cas, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu ne parlait pas sur Pierre l'homme. Dieu parlait sur le Pierre qui a parlé en étant en transe. En d'autres termes, il parlait sur l'esprit qui animait Pierre pendant qu'il parlait. Dans la deuxième action, Dieu dit, arrière de moi, Satan. Dieu ne parle pas à Pierre. Dieu parle à l'esprit qui a animé Pierre à cet instant. Oui. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que, après que Jésus soit mort,
et que Jésus soit ressuscité. Est-ce que, après que les apôtres ont eu à recevoir le Saint-Esprit, avez-vous encore lu dans la Bible un endroit où parmi les apôtres, on chasse un apôtre, un démon? Vous avez déjà lu ça? Ou Pierre prend Jean, il dit « Tu as l'esprit d'impudicité, je te chasse. » Vous avez déjà vu ça? Non, papa. Maintenant, je vous donne une vérité. Deux esprits de pôles différents ne peuvent pas cohabiter ensemble. Deux esprits des horizons différents ne peuvent cohabiter ensemble. Ainsi, il est impossible pour un fils de Dieu d'être possédé par un démon. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un fils de Dieu, réellement Christ, et tu es possédé par un démon. Ce n'est pas possible. Ça revient à dire que la lumière et les ténèbres cohabitent ensemble. Or, quand vous étudiez les textes, la Bible dit quoi? La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Donc, comment vous expliquez que quelqu'un qui est en Christ, qui a le Saint-Esprit pleinement manifeste en lui, peut encore voir des démons? Ça, c'est une vérité. C'est une vérité à laquelle tu dois t'exposer. Alors, pose-toi la question. Mais papa, comment ça se fait? Alors, il y a des chrétiens, je mets ça en griffe, 10 ans à l'église, mais quand l'homme de Dieu dit « Faya », tous là-bas sont sur la manifestation. Ce n'est pas le propos de mon élocution ce soir, mais je me permets de vous donner l'explication de ceci. Premièrement, c'est à cause d'un manque de conversion. On va dire, la conversion, plusieurs personnes ont des problèmes de conversion. Oui. Plusieurs personnes ont des problèmes de conversion. Je préfère utiliser cette expression de peur de dire que plusieurs ne sont pas convertis. Donc, je préfère dire des problèmes de conversion. Comme ça, ça va aider certains. Et même les pasteurs, même les hommes de Dieu. Bon, d'où vous allez voir, la Bible dit, et ça c'est un texte qui me fait peur, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront. C'est un texte qui me fait peur. Ça me fait peur. Deuxièmement, premièrement, ces personnes ont un problème de conversion. Beaucoup ne se sont pas réellement convertis. Et je vous réserve un enseignement sur ça. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Deuxièmement, plusieurs, lors des manifestations, ne sont pas possédés par des démons, mais sont influencés par des démons. La Bible dit: faites attention car le diable rôde comme un lion cherchant qui dévore. Un chrétien ne peut pas être influencé par des démons, ne peut pas être possédé par des démons, mais il peut être influencé par des démons. Donc ça veut dire quand on chasse ces esprits de par l'assise. Quand je parle de l'assise, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont les racines. Parce que si un esprit t'influence, l'influence d'un esprit peut se... Quand on parle de l'influence, c'est quoi? Les parents ont l'habitude de dire « Tu influences mon enfant » ou « Tu te laisses influencer ». L'influence d'un individu, même un esprit, peut amener un changement comportemental, d'humeur, même des raisonnements. Oui. Un esprit qui t'influence peut t'amener à changer de comportement, à changer d'humeur. Et il a comme une autorité sur toi, une influence sur toi. Mais il n'est pas en toi.
Il peut même te gouverner. Les esprits peuvent gouverner quelqu'un sans être en toi. Un chrétien. Une personne qui n'est pas chrétienne, les esprits les possèdent. Mais un chrétien peut être influencé par un démon. Mais pas possédé. Et si on arrive à la dimension de la possession en Christ, ça veut dire que le chrétien a un problème de conversion et précisément un problème de foi. Un chrétien qui a une foi intacte ne peut pas être possédé par un démon. Parce que la conversion va de facto avec la foi. Bon, quelqu'un qui dit « je suis converti » mais qui n'a pas la foi, elle n'est pas convertie. Oui, et je vais vous le prouver d'ici les jours à venir, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église par habitude, mais qui ne sont pas converties. Quand tu poses la question, quel est le niveau de ta foi? Quand tu regardes les actions, parce que la conversion, c'est la conséquence de la manifestation de la foi. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'es pas converti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, dans l'influence, on peut aussi parler des autels, des alliances. Je suis en Christ, je donne ma vie à Christ, mais à cause du facteur du sang de ma famille, ces autels me réclament, me rappellent. Mais exerce une oppression sur moi afin que j'abandonne la foi. Et c'est là où, quand on fait des délivrances, les esprits des familles se manifestent. C'est elle. Oh, c'est qui? C'est la tante telle. C'est... Quand vous voyez ça, il y a forcément quelque part la notion d'alliance et d'autel. Forcément. Mais la Bible dit, et ça c'est une vérité, que le sacrifice de Christ nous a rendus libres par rapport au mal et par rapport au péché. Tu as maintenant cette vérité, maintenant tu dois l'imprégner en toi. Avoir une vérité et l'imprégner ces deux choses. D'où vous devez méditer les Écritures. On imprègne une vérité par la méditation, ou si vous voulez, par la prière. Parce que la prière, c'est la méditation. C'est une forme de méditation. Il y a des dimensions dans la prière où c'est la méditation. Apprenez à prier les Écritures. Apprenez à prier les Écritures. Prenez vos bouteilles d'huile, on va prier. Normalement, quand on dit, apprenez à prier les Écritures. Vous avez un texte biblique qui vous a frappé par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. 30 minutes de prière, tu ne récites que ça. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Jésus. 30 minutes de prière. Tu pries les Écritures. Tu pries. La maladie n'a pas de force. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Quand vous connaissez ces codes spirituels, ces vérités spirituelles, vous n'allez plus multiplier les vaines paroles. Parce que ce n'est pas en multipliant les paroles, c'est les vérités spirituelles. Et dans l'école des prophètes, j'attends d'ici peut-être les années à venir. Ça fait partie en fait des clés pour activer la voyance dans l'école des prophètes. Il y a des textes bibliques qu'on donne, que tu pries. Et pour ceux qui se souviennent, on l'a fait une fois à 4h ou 3h, lors de nos moments de prière, 4h du matin ou 3h. Je crois que c'était en janvier ou février par là. Et des gens ont commencé à voir. Ce sont les vérités spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'entend ici?
puisque quelqu'un m'entend. Alors ce soir, j'aimerais que l'on prie. Prends ta bouteille d'huile, mets les mains. Mets l'huile aux mains, mets l'huile sur tes pieds, la plante de tes pieds, mets l'huile sur ta tête. Comme ton Père, je vais décréter les paroles. Et au sorti de ces décrets, j'aimerais que là où tu sois, tu dises Amen. Tu dises que je reçois. Tu dises Amen. À chaque parole qui sortira, à chaque décret qui sortira de ma bouche, tu vas t'agripper à cela avec toute la force possible. Et tu diras Amen. On va prier. Pour ceux-là qui n'ont pas de bouteille d'huile, prenez de l'eau. On va prier avec. Après, vous allez boire cette eau. Est-ce qu'on peut commencer la prière? Est-ce qu'on peut commencer la prière? Hébreux chapitre 13, verset 7 ou 17, si je ne m'abuse. Les textes disent ceci. Je paraphrase. Obéissez ou veillez à ne pas frustrer vos conducteurs, car ce sont les gardiens de vos âmes. Je suis un gardien d'âme. Je suis un gardien d'âme. Commence à prier. Personnellement, là où tu es, prie. Prie pour ta santé si tu es malade. Prie pour tes finances si tu as besoin d'argent. Selon. Prie pour tes enfants. Et si vous êtes là connecté avec les enfants, frottez-leur de l'huile également. Prie pour ton travail, selon le domaine dans lequel tu aimerais que Dieu puisse opérer durant le mois d'octobre. Prie, déclare des paroles. Déclare, prie pendant 60 secondes. 60 secondes. Après cela, je vais prier et on va se séparer. J'aimerais entendre comment les esprits se mettent à prier ici. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et commencer à prier? Rodabasi
Rebadabazi, Garadabazi, Maradabaya, Embaradabazana, Radabazo, Rodobosi, Ibradabazi, Baradabazo, Embarodabazi, Garadabazi, and then the Brenda, the Bende, the Brenda, the Bende, the Brenda, the Bende, the Brenda, the Bende, the Brenda, the Ronde, the Beginner, Radabaza, the Radabaza, the Garadabazo, the Rodobo, the Beginning, the Manabada, 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 Rodobosi, Garadabazo, Rodobosi, Garadabazi, Regadabazo, Radabaya, Jesus. Jesus. Regina da Bascobe, Jesus. Jesus. Kaladi Bebos. Jesus. Sakile Vaya. Tebele kusha baba nilegeri Rokinde bele kandara basa karaga da basi Ikusuma lakile bebo soma makada basobre Ilemo shakile gle Ede ela ia asombe redegli Parle gende bo sobre digaj Redigende le debe soma ruga da basi Gana da pa 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 Paradine begendere de besatara na maya Ebo shatara na maya Oktob e beni Oktob e beni Oktob e beni Ega zibra ziga debelega Iga rodo boshiga lina manne Ela o sako maya Ige diba antor regedege Paolo siba inteb legedebe Rasumpe legesh Ila oba sompele bleye. Adabene de kinara da bashige le le le. Nuro do boshe le 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 ya naro da baya. Benediction. La benediction du Père. La bénédiction. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu lèves tes mains et je vais prier. Tu diras « Amen, je reçois à tous les décrets émis par ma bouche. » Père, Dieu de mon Père, Dieu des entrailles, oint duquel je suis sorti, Dieu des alliances, Dieu des vœux et des autels. Dieu des vérités et toi qui honores la foi. Je prie dans le nom de Jésus. En ce mois d'octobre, je viens libérer maintenant la bénédiction du Père. Je commande et je déclare que l'huile qui coule sur la tête descende sur la barbe, sur le vêtement, dans le nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que l'huile de distinction soit l'apanage de tout individu sous l'écho de ma voix. Amen. Je décrète et déclare que là où il y avait des blocages qui empêchaient le travail, qui empêchaient la fécondité, qui empêchaient les finances, qui empêchaient la santé, soit maintenant anéanti au nom de Jésus. Amen, je le crois. Je commande à ce que toute influence négative de tout esprit pur, libère maintenant au nom de Jésus.
Je décrète et je déclare que là où foulera la plante de vos pieds, cette terre vous obéisse au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare la maladie et la mort ne seront point votre apanage au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare en ce mois d'octobre, vous montez dans une autre dimension d'explosion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je décrète et déclare là où vous étiez faible, là où vous n'arriviez pas à résister, mon Dieu vous donne la capacité d'être fort au nom de Jésus. Amen. Jésus. J'attache à vos vies l'excellence, le succès, la providence et la distinction dans le nom de Jésus. Amen, je reçois. Par la même occasion, je vous sors de toute alliance de famille qui vous retient ou qui vous oppresse par la voie du sang ou par la voie du cordon ombilical ou par la voie des paroles ou par le canal de la terre ou des eaux ou des forêts, et je vous introduis dans l'alliance divine en Christ au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, ce mois d'octobre est une plateforme dans laquelle vous montez en supériorité dans Amen. Tous les domaines. À partir de maintenant, j'arrête les attaques dans les songes au nom de Jésus. J'arrête les dérangements dans vos songes au nom de Jésus. Vous êtes la tête et vous ne serez jamais la queue. Amen, je reçois. Ainsi soit-il. Père, je prie et je te dis merci. Merci pour ITS. Je vois ITS tel un aigle. Pendant que je prie, j'ai l'image d'un aigle qui prend son envol de la terre et qui va à toute allure dans les nuages. Très haut, et ainsi est ITS. Amen. Elohim, laisse que dans ce ministère, il ne puisse avoir aucun malade, aucun pauvre, aucune personne célibataire, aucune Amen. Stérile, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le manque. Bénis chacune des personnes qui croient à ce ministère, qui s'attachent à l'homme de ce ministère, Père, qui sont assidus, intègres à la vision de ce ministère. Tu récompenses le service, que ces personnes soient récompensées au nom de Jésus. Laisse également que l'impact, la transformation et le surnaturel soient l'apanage de chacun des membres. ITS n'est pas qu'un ministère, c'est un mode de vie, c'est une mentalité, c'est un langage, c'est un style, c'est une démarche. Oh, mais ITS, c'est un monde. ITS, c'est le Christ révélé au monde dans le nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Obradi javadi akouta la vladina. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on se voit mercredi.
Et mercredi, nous continuerons sur notre thématique, à savoir comment avoir des prières puissantes pour ceux qui étaient là les jours passés, à savoir vendredi. Cela a marqué, le vendredi a marqué l'ouverture de cette thématique. J'ordonne dans le nom de Jésus aux pays respectifs dans lesquels vous êtes. Vous avez besoin de papier comme ma fille. Je commande et je déclare ici que l'on vous donne les papiers au nom de Jésus. Que l'on vous donne des papiers dans le nom de Jésus. Vous avez des problèmes des papiers, régulation. Il manque X ou Y, carte de séjour et consort. Elohim, je commande qu'un processus s'enclenche à l'ouïe de ma voix en France, en Espagne, au Canada, aux États-Unis, quel que soit là où la personne y est et elle m'écoute, je commande et je déclare que le processus s'enclenche, un processus de miracle dans lequel ton nom va apparaître dans leur base de données avec toutes les informations et ils vont se rendre compte en fait que tu es à jour, on doit te donner ta carte de séjour. Ils vont se rendre compte qu'en fait tu figures mais tu n'as pas de carte de séjour. Je commande et je déclare que le Dieu qui a créé la terre orchestre des miracles comme ceci à lui de ma voix, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je disais dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, ah. Amen, amen, amen. Radou, c'est que le dia. Dans le nom de Jésus, pendant que tu dis amen, ma fille, je vois une saison particulière d'abord qui s'ouvre à toi et à plusieurs ici. Au nom de Jésus, je commande et je déclare une saison particulière dans vos finances. Je commande, pendant que je parle de ça, je décrète ça, j'ai une rage dans mon cœur. Marie, quand tu as mis amen, j'ai vu une promotion en ce qui te concerne dans ton travail. J'ai vu comme une élévation, tu quittes d'un rang à un autre dans ton travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la même chose que je vois chez Darlene. Mais Darlene, c'est comme si tu quittes ma fille. Ok, je vois, c'est clair. C'est en relation avec ce que tu m'as dit en inbox. Je vois, tu quittes d'un domaine pour un autre domaine et plus fructueux. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, Charlie, je vois des portes financières qui vont commencer à s'ouvrir, à s'ouvrir. Mon fils, de là où tu es, ta vie ne sera plus pénible. Dieu me dit de te dire, c'est une parole que j'entends clairement, qu'il allège tes peines. Il 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 allège tes peines. Je ne sais pas pourquoi, mais tu m'avais dit que tu travailles dans un magasin ou quelque chose comme ça, mais mon esprit te voit comme dans un restaurant. Je ne sais pas pourquoi, mais je te vois comme dans un restaurant. Mon Dieu me dit, il allège tes peines. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Tu travailles dans un magasin, n'est-ce pas? Oui, oui, dans un centre commercial. Centre commercial, ok. Est-ce que quelqu'un peut s'attacher à ces paroles? Au nom de Jésus. Charlie, pendant que je parle, tu sais, mon fils, le prophétique, au-delà de l'aspiration, nécessite une discipline de vie. Parce que quand tu as mis amen, j'ai capté ce fort désir en toi. Je sais que tu aspires à ça. Mais voici l'instruction. Au-delà de l'aspiration, le prophétique exige une forte discipline de vie. Une forte discipline de vie. Amen. Si tu es une femme, mets ta main sur ton ventre. Tu es une femme, mets ta main sur ton ventre. Si bien évidemment tu veux que Dieu te visite par des enfants, tu mets la main sur ton ventre. Et pendant que tu mets la main sur ton ventre, et même si tu n'es pas une femme ici, quel que soit, tu as un souci, ventre, bas ventre, mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Père, dans cette onction que je ressens maintenant, j'opère dans le don de foi ce soir. Je commande et je déclare que tout dysfonctionnement,
toute femme, premièrement, qui désire avoir un enfant, mariée, ici présentement, qui désire tomber enceinte, j'augmente maintenant, je ne sais pas comment on dit, les phéromones de productivité. J'augmente ça en elle. J'augmente ça. Les capacités à tomber enceinte. J'augmente cela en elle. J'augmente cela en elle. J'augmente cela en elle. Je commande et je déclare. Toute femme ici qui désire avoir un enfant, ses entrailles s'ouvrent maintenant. Et pendant que je parle, j'ordonne que le signe soit des secousses au niveau du bas-ventre. Maintenant, ses entrailles s'ouvrent par la même occasion. Toute femme appelée à tomber enceinte, même qui désire avoir un enfant ici, par la même occasion, tout dysfonctionnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au niveau du bas-ventre, de l'appareil, des trompes, des ovaires, ovules, tout ça là, cycle, je commande et je déclare, pendant que je parle, maintenant une restauration immédiate, 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 in the name of Jesus. Je commande maintenant que cela se produise. Et s'il y a quelqu'un qui est là, parce que je sens ça dans mon esprit, tu es là, tu es une mère, mais quand je prie ainsi, ton esprit va chez ta fille. Ta fille est visitée au nom de Jésus, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Ta fille est visitée dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Même si elle n'est encore qu'une mineure, qu'un enfant, qu'un bébé, elle ne vivra ok. Allah, clouche, abradia. Berlegi de blé. Livia. Quand tu as mis ton nom là, amen là, mon esprit est parti. Je ne sais plus si c'est Chérol ou Chéron, je ne sais pas, mais chez ta sœur. Celle avec qui j'ai parlé en inbox une fois. Et quand mon esprit parle là-bas, je n'ai plus mémoire de ce dont nous parlâmes cette fois-là. Je suis en train de voir une pensée de Dieu en ce qui la concerne. Je vois comment Dieu la visite. Je ne sais pas si elle a un travail. Mais je vois comment Dieu la visite dans ce secteur-là, par rapport au travail. Je vois une visitation par rapport au travail. Et je vois comment cette visitation change et lui apporte beaucoup de sourires. Je vois ça. Et cette visitation par rapport au travail, je vois comment ça touche même ses enfants. Ça touche ses enfants. C'est-à-dire, c'est une bénédiction qui va toucher ses enfants du point même où elle pourra donner aux enfants certaines choses qu'elle n'arrivait pas à donner. Je perçois ça, ce n'est pas clair dans mon esprit. Je perçois ces choses. Je vous ai dit ici qu'on opère en esprit sur la base des vérités. Et une alliance qui est rattachée à ITS, je parlais avec l'une de mes filles, avec une dame ici. Je lui ai dit... Tu ne peux pas être ma fille ou mon fils ou être dans ITS et tu meurs prématurément. C'est impossible. Parmi nous, écrivez ça dans un cahier dans votre Bible. Je dis c'est impossible. Dans les alliances que le leader de cette église a avec Dieu, il y a un domaine dans lequel ça ne peut pas arriver, c'est la mort prématurément. Ainsi, je m'adresse à toutes les personnes. Vous sentez des esprits de mort ou vous sentez des domaines dans lesquels des maladies bizarres. Je m'appelle prophète Azaf Emel. Dans ce ministère, on ne meurt pas prématurément. C'est impossible. Et si vous êtes à la recherche du travail comme plusieurs,
Laissez-moi vous exhorter en disant, asseyez-vous confortablement, prenez des pop-corn, prenez de quoi boire, parce que c'est juste une question de temps. Dieu est en train d'apprêter une place fortement confortable pour vous. Tu ne peux pas être dans ce ministère et être au chômage. C'est impossible. Amen. Donc, ça, tu dois prendre ça comme une vérité absolue. Pour ceux qui ont fait la science, ils savent. Vérité absolue, valeur absolue est toujours positive. Je commande et je déclare, Père, que l'esprit d'ITS, celui par lequel tu m'as confié cette vision, se révèle à plusieurs et brise les jours de la certitude. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sens de couler dans le prophétique, mais on va s'arrêter ici. Maman Candy, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que maman Candy va bien? Vous pouvez apprêter vos offrandes de là où vous êtes. Vous avez vos offrandes, vous pouvez les prendre. Nous allons prier. Et suite à cela, nous allons nous séparer. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous nous retrouverons mercredi et je parlerai sur cette thématique particulière. Sur cette thématique, et assurément, Dieu nous fera énormément de bien là-dessus. Vous savez, vos offrandes, prenez-les, nous allons prier. Vous avez votre dîme, votre offrande, ou une offrande spéciale, cela dépend de vous. Nous allons prier. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que tu nous bénisses. Bénis toutes ces personnes-là qui mènent dans ta maison, qui ont pensé. Tu vois le geste, mais la chose la plus importante, c'est le cœur. Tu connais le cœur. Alors bénis-les, bénis leurs finances, bénis leur famille, bénis leurs projets, bénis leur santé, bénis leurs enfants et leurs futurs enfants, bénis tout ce qui est d'eux. Nous te rendons des actions de grâce. Par la même occasion, cette nuit, je la mandate et l'ordre de paisibilité, de paix. Donne-nous, selon que tu nous as enseigné vendredi, à payer le prix et à nous accrocher. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Ainsi j'ai prié. Amen. Merci famille ITS. Merci de m'avoir honoré de votre présence. Cet effet, je vous donne rendez-vous mercredi. Bon mois d'octobre. Passez
un agréable mois d'octobre et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.